Tout comme le samedi, jour où le Maïmaï ont perturbé l'ordre à Lubumbashi, une nouvelle fois le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Tshiapwe, descend en centre-ville de Lubumbashi. Il vient rassurer les Lushois par rapport à la psychose qui s'est dilatée sur la ville qu'il préfère. Lubumbashi tourne normalement, circulation intense et embouteillage habituel sont d'actualité. Le chef de l'exécutif provincial communie avec ses administrés. On ne sait plus contrôler les mains qu'il salue, tellement elles sont nombreuses. Tous les lieux de commerce sont visités, surtout sur la chaussée M. Laurent-Désiré Kabila, dont les tenanciers sont pour la plupart des expatriés. Sur le terrain, c'est plutôt le prix de farine de maïs qui a pris l'ascendant sur la psychose. 15 000 francs congolais le sac, c'est impensable, dit le gouverneur. Par la suite, le chef de l'exécutif provincial descend à la grande place de la Poste. Un petit meeting improvisé voit le jour. Moïse Katumbi insiste sur l'unité nationale et la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Parce que vous devez être vigilant. Ne laissez pas des inciviques troubler l'ordre public. Vous êtes des Congolais, vous devrez être fiers de l'être. Ne laissez pas la place à la désunion. Nous devons être unis. Pour ces inciviques, on les a arrêtés et nous allons vous montrer les commanditaires. Le gouverneur aura su rassurer ses Lushois bien-aimés, ses promenants en veste chemise, sans gilet pare-balles.